Resident Evil. Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur Resident Evil Révélation 2 pour le mode commando. Donc c'est parti, on y va, niveau 82. Let's go. Donc là on est bientôt au niveau 94, donc je vais pouvoir peut-être mettre des habilités en plus pour notre cher Barry. Ça c'est une mission, on la connaît assez bien aussi celle-ci. Il est là. Ok. On aura un tronçonneur, il y aura pas mal de pourris, de rotten. Un boucher. Enfin, un exécuteur. Le fameux bourreau. C'est le Magini bourreau. Précisément. Je dis le bourreau parce que c'est plus rapide. Par contre, il m'embête, lui. Il bouge. Mais du coup, il nous perturbe. Parce qu'il bouge trop. Alors, lequel peut être plus embêtant? En sachant que le tronçonneur va arriver. Cela. Attends, toi. Allez. Et boum! Il est mort. Je suis parfait. Je suis bien. On pourrait déjà la finir. Ce serait un temps record. L'un des temps records. Mais là n'est pas le but. On doit la finir complètement. Par contre, après celle-ci, éventuellement, elle peut être aussi très bien pour pouvoir farmer. Allez. Parce que là, on en a deux. Ouais, éventuellement. Ça peut être un bon niveau pour fermer. Voir en fait s'il y en a deux ici. Oh oh. Il est tout près là. Voilà, il est mort. Oh, un petit 100 000. Qui fait plaisir. T'es là, je le sais. Montre-toi. Ben voilà, il était juste devant nous. Continue. Très bien. Bon, elle finit en magnum, y'a pas de soucis. Ah, c'est un rapide, je crois, lui, non? Ah non, pas rapide, mais il était résistant, d'accord. C'est vrai que c'est pas vraiment pareil, là. C'est bon. On a les deux en face de nous. Les derniers, et voilà. On a quand même été fait rapidement. Mais je sais pas si en code rouge, ils vont nous en mettre 3 ici. Éventuellement, pour vraiment farmer très rapidement, ça peut être vraiment une bonne mission. Parce que là, vous détruisez juste le premier Glaps, les 4 rotten que vous avez au niveau des escaliers. Vous tuez encore 4 rotten et boum, vous avez tout de suite le tronçonneur que vous détruisez au lance-roquette. À mon avis, c'est fini, quoi. Vous la faites très rapidement. Après, on parle bien sûr de le faire rapidement pour pouvoir fermer des armes. Même si là, on voit que c'était quand même rapide en tuant tous les ennemis.
Je crois pas que j'avais ramassé... Non, on n'avait pas ramassé de vinyle. Donc voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures sur Resident Evil Révélation 2. Allez, salut à tous les amis!